Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour une présentation de nouveautés pour la pêche à la carpe. Donc pour commencer, j'ai acheté une pêche Team Carp Fishing, donc voilà, assez longue pour jeter assez loin quand même, parce que je pêche pas trop en extrême bordure. Donc voilà, après j'ai acheté des hameçons Corda taille 6 Wide Gap X. Ouais. Donc après j'ai acheté des clips longs Fox, voilà, avec les petits embouts qui se mettent pour pas perdre la tétine et tout, enfin le bas de ligne surtout, et les tétines qui vont avec. Après j'ai acheté des bouillettes Manline Banoffee, en 14 mm, elles sont très connues, enfin, déjà les Manline. Donc voilà, après j'ai acheté des IF1, donc de chez Starbait, en 20 mm. Donc pareil, elle enfin sur les vidéos Starbait, elle marche assez bien, du coup j'ai essayé et elle ressemble à ça. Donc voilà, j'ai acheté un bécher et on se retrouve pour la présentation. Ok, donc on se retrouve pour la présentation du bécher. Voilà, donc là il est plié, donc il est assez compact quand même, il prend pas beaucoup de place. Donc voilà, je vais filmer quand je le monte, comme ça vous verrez qu'il est super facile à monter. Donc c'est parti. Donc on se retrouve pour le montage du bécher. Donc c'est parti. Donc pour commencer, on relève les pieds là, comme ça. Voilà. On ouvre. Là, il y a des languettes, comme ça, qu'on tire. Après, on relève comme ça. Bon, là, je vais l'incliner un petit peu. Donc je referme les petites languettes, comme ça. Voilà. Après, on déplie l'autre partie. Voilà, comme ça. Bon, vous ne le voyez pas tout en entier, mais c'est pas très grave. Après, on le met comme ça. Enfin, je vais le mettre dans l'autre sens pour que vous voyez. On tire les pieds. Voilà. On y met à peu près plat. Voilà. On le met de normal, couché, debout. On baisse cette partie. Et voilà. Le bécher est monté. Après, on peut régler l'inclinaison. Oh, je vais le mettre couché pour vous montrer à peu près. Voilà, comme ça. Après, on va. Moi j'aime bien être comme ça. On est bien. Voilà. Après, je vais vous montrer les pieds. Donc, on peut les rallonger. Tous. Donc, il suffit de tirer la languette. Comme ça, là, il y a une petite languette. Voilà, on tire la languette et il se rallonge comme on veut. Il n'y a pas de cran pour. Donc on le rallonge vraiment comme on veut. Après, c'est des élastiques dessous. Donc là, c'est des élastiques. Donc voilà, des pieds, il y en a 6. Il y a 6 pieds en tout. Donc voilà. Pareil pour remonter. Voilà. Donc le prix, c'est. Ça dépend des saisons. Là, je l'ai eu à 50 euros par exemple. Mais je sais que des fois, il est à 100 euros. Donc, c'est un Team Carp Fishing, il me semble. Je vais regarder quand même pour être sûr. Non. Si, Team Carp Fishing Pro OS. Donc, c'est un assez bon bécher. J'ai essayé. On sent pas les pieds ni rien. Enfin, des fois, il y a des barres dessous, mais là, il n'y en a pas. Donc, on est vraiment bien dessus. Il est confortable, le matelas, il est assez. Enfin, il n'est pas très épais, mais suivant les endroits, comme pour le dos, il est assez épais. Donc voilà, maintenant j'ai le biwi et le bécher. Je vous ferai une présentation des deux assemblés, je pense. Donc sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!